Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors on est vendredi soir, donc je reprends pour le vlog du week-end. Voilà, donc là Hélène elle est revenue de son voyage, comme vous avez pu le voir juste avant, sur le vlog d'avant je veux dire. Voilà, donc ça s'est super bien passé, elle est bien contente. Elle a un peu pleuré en arrivant, mais c'était l'émotion des retrouvailles je pense, je sais pas. Voilà, et donc on est bien content pour elle, voilà. Sinon, donc là, Eliane, elle est en train de jouer avec une nouvelle poupée LOL qu'elle a eue, que je lui ai achetée, voilà. Et lui, il aimerait bien faire de la peinture, mais je ne sais pas si on va en faire ce soir, parce que j'ai acheté de la peinture sur Amazon. Un grand coffret de peinture avec 24 couleurs, voilà, c'est de la gouache, voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop envie d'en faire maintenant, c'est 6h30, on va bientôt faire les pizzas et tout, donc voilà. Parce que ce soir, c'est pizza, voilà. Finalement, on a ouvert la peinture. Il faut l'ouvrir, attends. Elle est pas ouverte. Mais elle est où la peinture bleue? Il y a des couleurs fluo, des couleurs pailletées, des couleurs métalliques. C'est super joli comme peinture. J'ai acheté ça sur Amazon aussi. La marque Arteza Kids. C'est pas cher en plus. Et puis avec un assortiment de pinceaux et d'éponges. Bon, au milieu, vous avez les Playmobil aussi. Ça, les Playmobil. Voilà. Un dessin pour mamie? Je vais faire. On est soir, donc là Louis il va pas tarder d'aller se coucher. Eliane elle regarde sur Gulli Opération Fantôme. Voilà, c'est son soir de télé. Et voilà. Donc, je vous retrouve demain. Re-coucou tout le monde, on est samedi matin, il est à peu près 11h et donc là on est tous prêts, on va aller se balader un petit peu en centre-ville, voilà, et puis voilà, on vous emmène avec nous. Voilà, on est rentré, il est à peu près 13h. Voilà, on va manger le pique-nique qu'on devait faire à midi normalement dans la ferme pédagogique là, que je vous avais expliqué, mais du coup on ne peut pas à cause des orages. Voilà. Pour l'instant il fait beau, mais je crois que ça se dégrade vers 15h, donc ça aurait été dommage de faire qu'une demi-journée. Donc du coup on reste là aujourd'hui, je pense qu'on ira plutôt samedi prochain, ils annoncent du beau temps pour le moment, donc voilà. Voilà, donc là, Miss Midi, c'est pique-nique à la maison. Et voilà, 4h d'après-midi, et l'orage est là. Voilà. Voilà, on n'a rien fait de spécial. Les enfants, ils ont regardé des dessins animés. Voilà, moi, je me suis reposée un peu. Les petits ont fait leur sieste. Enfin, ils sont toujours, d'ailleurs. Voilà, et là, je vais me faire une petite session de chant. Christophe, Eliane et Louis sont partis à Villa Verde pour acheter un truc pour l'aquarium, je sais plus ce que c'est, mais un filtre ou je sais pas trop quoi, voilà. Et ensuite, ils vont passer chez Cerea pour prendre le goûter de 4 heures, là. Même si c'est déjà bien 4 heures passées, c'est pas grave, on a mangé tard, donc voilà. Voilà, et là, donc je vais chanter un peu.
le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blond si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on Je vais m'arrêter là parce que j'entends Nathan ou Gabriel qui pleurent. Donc je vais aller donner les bibes et on recommencera peut-être après, on verra. Voilà, les grands et le papa sont revenus. Et donc ils ont pris un petit goûter chez Céréa. Bon, je vous ai pas repris en cette fin d'après-midi, mais bon, on n'a pas fait grand-chose, donc voilà. Voilà, ce soir, on va manger un magret de canard. Normalement, c'était des pommes de terre à la poêle, mais les pommes de terre, il n'y en a plus, donc tant pis, on va prendre du riz avec, et puis voilà. Voilà, et ce soir, je pense qu'on regardera la chanson de l'année sur TF1, et voilà. Du bonheur, ce n'était pas des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me trouvez bizarre, un peu pas très tard. Devant vos réflexions, ne touchera personne. Il vaut pas ne résonne jamais dans ma région. C'est pire que vos visions, là, les confessions. Mais pour le meilleur et pour le pire. Et si j'ai monté ciel, il va peut-être jouer. Il y a mes Jérémy et mon cousin Péric. Et un train voyage aux autres pays. Allez, tu te rendras loin tes amis. Et on veut du Claude Musaine et un fer de la tête. On veut un ami fervent, un petit coup de mien. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. L'honneur de cette terre, sur les monuments, c'est pire qu'un testament, l'un des
enfants de ce joli coin de France. Rappelez-nous vivants, baignez s'il faut, mais prenez soin avant de remplir notre cerveau. La relève est quoi notre petit Lucas. On fait son héritage, on pisse, nous on dégage. On nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. C'est marrant de juste pour ce thème. Sur bien sûr, cher, quelle raison qu'elle était. Être avec nous ce soir, j'ai le cœur qui est petit. On a les yeux qui brillent. Paye, paye, papa, paye, paye, papa. C'est la seule qui a beaucoup d'animation comme ça. Paye, paye, papa, paye, paye, papa, paye, paye, papa. Paye, paye, papa, paye, paye, papa, paye. C'est comme ça. On est dimanche et c'est la fête des papas. C'est quoi? Bonne fête, papa! Bonne fête, papa! J'ai validé! On va faire un cadeau! On va faire un bisou! On va faire un cadeau, oui! Un bisou! Bonjour! Maman, elle m'a dit ce que c'était, mais je sais plus ce que c'était! Je sais plus ce que c'était! Regarde! Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un tapis de souris, c'est vrai. C'est un tapis pour mettre sur la souris de l'ordinateur. Oui! C'est vrai, tu commences à mettre un tapis. Oui, j'ai commencé par faire un. Et l'ancien, mais où alors? Et l'ancien, mais où? Et l'ancien, maman et moi. Moi, ouais. Toute petite. Et là, maman, plus jeune. Et moi? Ah bah c'est vrai qu'il est un peu plus beau hein, celui-là. Doucement. Re-coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est dimanche, comme vous avez pu le voir c'est la fête des papas, donc aujourd'hui on est dans la famille de Christophe, on va chez sa sœur, voilà, avec il y aura ses parents, et peut-être même ses beaux-parents, je sais plus, voilà, donc du coup je vais pas filmer grand-chose, donc je vous retrouve ce soir pour le briefing de la journée, voilà, allez gros bisous. Alors je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé le vlog, donc je le fais maintenant. Dimanche on était donc chez ma belle-sœur pour la fête des pères, voilà, donc avec ses parents aussi. Et puis voilà, voilà. Donc ça s'est très bien passé, une bonne journée, les enfants ont bien joué, voilà. Je pense que cette semaine il n'y aura pas de vlog parce que bon, Christophe étant d'après-midi, moi je suis très très occupée, donc du coup, je prends pas le temps de filmer, quoi. Voilà. Et puis aussi, donc, Gabriel a pris la varicelle. Voilà. Donc, depuis, là, on est mardi soir. Hein, donc, voilà. J'ai mis du temps à clôturer le vlog. Et donc, voilà. Voilà, donc, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Gros bisous. Ciao.